dans nos paisibles forêts, qui pourrait soupçonner l'existence de monstres pareils? Si vous n'en avez jamais rencontré, c'est qu'ils échappent à l'observation. Ils sont microscopiques, à peine 0,2 dixième de millimètre. Comme les araignées qui nous sont familières, ce sont des arachnides, et plus précisément des acariens, qui portent le nom barbare d'eriophyïdes. Ces acariens-là ne s'attaquent qu'aux plantes. Ils ont une allure de ver avec quatre pattes, autour d'un semblant de tête sans yeux. Ils se guident grâce à des poils sensoriels. Leur corps est annelé, et selon les espèces, les anneaux sont hérissés de pointes ou de verrues, légèrement ondulés ou parfaitement lisses. Il est pourtant facile de détecter la présence de ces acariens sur les plantes, parce qu'ils y construisent des galles comme celle-ci, rouges et éparpillées à la surface des feuilles de l'aulne. Ou comme celle-là, brune et montant à l'assaut du tronc de l'érable. Chaque espèce d'acarien n'attaque qu'une plante donnée sur laquelle il édifie une galle de forme, de couleur et de structure qui lui sont propres. Dans nos régions, il existe environ 400 galles d'acariens toutes différentes. Ces taches claires sur les feuilles du merisier à grappes sont en réalité des galles toutes simples. Pour s'abriter, l'acarien fait pousser une multitude de poils globuleux entre lesquels il se nourrit et se reproduit. Sous les feuilles de l'érable, selon l'espèce d'acarien, le feutrage de poils est blanc, d'un mauve délicat ou encore d'un rouge intense. L'acarien du charme, plus fantaisiste, se construit des galeries sinueuses en attaquant les nervures qui se plissent. Une autre façon de se loger consiste à enrouler tout simplement quelques dents du bord de la feuille. Les acariens utilisent le même procédé et enroulent parfois le bord des feuilles au point de les rendre méconnaissables. Pour former ces pustules plates, l'acarien du sorbier est entré à l'intérieur même des tissus de la feuille et s'y est ménagé une cavité. Construire de toutes pièces ces minuscules logis d'une façon aussi régulière témoigne d'une habileté remarquable. Sur l'érable, les galles sont rouges. Sur l'orme, on en trouve des vertes, de petite taille. Mais une espèce voisine bâtit des galles beaucoup plus spacieuses. La plus belle galle d'acarien est incontestablement celle du tilleul, avec sa forme effilée en doigts de gants. Verte ou rouge, les galles de la viorne peuvent recouvrir toute la feuille. L'acarien du noisetier fait gonfler le bourgeon et le rend incapable de donner la moindre feuille. Les fleurs de douce amère nous sont familières. Qui pourrait encore les reconnaître lorsque les acariens les ont envahis et transformés en amas de feuilles poilues et grisâtres? Le frêne montre souvent cette ramure insolite. Ces pendeloques noirs, ce sont aussi des galles, mais toutes desséchées et abandonnées par les acariens. Comment un animal si petit peut-il se construire des galles aussi grosses? Pour répondre à cette question, il vaut mieux choisir un exemple plus simple, comme ces galles du merisier à grappes. C'est une galle creuse qui abrite de nombreux acariens,
et dont voici l'histoire. Au début du printemps, l'acaria rampe sous la feuille, choisit un emplacement favorable et s'y installe. Le voici en place, immobile. Rien ne semble se passer, et pourtant, en quelques secondes, il perfore la paroi d'une cellule avec ses pièces buccales fines et terriblement pointues. Puis il pompe le jus de la cellule. En même temps, il transforme la cellule piquée et ses voisines en cellule nourricière. La cellule nourricière se reconnaît à ses petites vacuoles, à son gros noyau avec un énorme nucléole et ses nombreux organites, ribosomes, plastes et mitochondries. Une petite portion de la feuille fournit ainsi, bien malgré elle, tous les matériaux nécessaires pour nourrir l'animal et pour bâtir sa gale. Les tissus attaqués forment une tache claire qui s'étend d'heure en heure. Au bout d'un jour, l'acarien a façonné une sorte de voûte qui s'élève progressivement au-dessus de la feuille. En 3 jours, voilà notre bâtisseur bien à l'abri dans son logis, dont l'issue est dissimulée par des poils. Le 4e jour, l'acarien commence à pondre des œufs. Il en pondra plus de 50. C'est donc une femelle qui réalise cet exploit. Bâtir seule une gale qui deviendra 1000 fois plus grosse qu'elle, en étant successivement architecte, maître d'œuvre et décoratrice. À peine éclos, les jeunes acariens se régalent en piquant la paroi nourricière. Pour héberger tout ce monde, la gale s'allonge au fil des jours. Puis, la femelle meurt, ayant accompli sa mission. L'été venu, les jeunes deviennent des adultes, mâles et femelles. Après la fécondation, mais bien avant la chute des feuilles, les acariens abandonnent leur gale. Ils cheminent sur les feuilles et les branches pour chercher refuge dans les fentes de l'écorce où ils passent l'automne et l'hiver. Les mâles meurent, seules les femelles survivent. Par un beau jour de printemps, elles sortent de leur cachette hivernale à la recherche de pousses fraîchement écloses. Là, invisibles et silencieuses, elles se remettent à l'ouvrage pour se bâtir chacune exactement la même gale. Et tout recommence.